They told me I was too young. They told me I needed more training. I told them to drop dead. How ironic. I don't know how I survived that fall. Something strange must have happened. My pulse is beating like a drum, but my blood is running cold. I'm not sure what's going on, but I came here with a question. And I'm gonna find the answer if it kills me. Et bienvenue sur Crypt of the NecroDancer, un nouveau jeu sur lequel j'ai joué depuis quelques temps. Puisque sur Rogue Legacy on commençait un peu à avoir tout vu, je me suis dit, allez, on va profiter des soldes Steam, on va profiter de cette délicieuse réduction. Et on va se prendre une nouvelle planche de fun. Le son est actuellement un peu fort parce que je n'ai pas du tout touché aux options. Et ça ne devrait pas tarder. Alors ce jeu est tout simple, c'est un roguelike en 2D vu de dessus. Avec une petite touche musicale. Alors, on va aller directement dans les options. Parce que sinon, la musique va être un peu délicate à régler. Alors, c'est tout au clavier. Option audio, volume. Voilà, à peu près. Donc, je vais laisser la musique assez fort et me concentrer. Le but du jeu est tout simple, c'est un roguelike classique, on explore un donjon, tue des ennemis, etc. Avec un twist, on ne peut faire une action que lors des beats de la musique, c'est-à-dire de la timeline en bas avec le cœur, c'est le seul moment où on peut ce genre se déplacer. Et les ennemis également se déplacent avec ses pulsations. C'est-à-dire que si on n'agit pas, eh bien eux, les ennemis, agissent et peuvent nous attaquer. Forcément, ça complique la vie. If I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. Every opponent has a predictable pattern, he said. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. Comme vous le voyez, si on ne se déplace pas sur une action, on perd le multiplicateur qui sert essentiellement à gagner plus d'or. Les ennemis dans ce jeu ont des patterns, c'est ça qui permet un petit peu de les battre en fait, puisque s'ils nous rentrent dedans, ils nous font des dégâts, si on leur rentre dedans, on attaque et on leur fait des dégâts. Certains par contre ont plus d'un cœur de vie, donc il va falloir leur donner plusieurs coups. Par exemple, là, il y avait deux cœurs de vie. J'ai mis un épée. A broadsword, not as sharp as I'm used to, but I bet it can still take out three enemies in one shot. Et donc, selon les types d'armes, on a plusieurs attaques. Dès qu'il par exemple, j'ai eu 3. Et je suis encore loin d'avoir le rythme, hein. Faut dire ce qui est. J'essaie de m'entraîner, mais c'est pas simple. Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. Là on avait le premier exemple en fait d'un ennemi qui ne se déplace pas selon un pattern fixe mais qui se déplace par exemple un tour sur deux. Et donc il faut surveiller un petit peu leur pattern pour savoir quand s'approcher d'eux et quand s'éloigner pour ne pas se faire toucher. Dites également, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer si le son n'est pas équilibré correctement. Parce que pour le coup, c'est très important pour moi d'entendre le son pour ce jeu, sans surprise. Mais si jamais il obstrue trop ma voix, je pourrais éventuellement voir pour l'ajuster au niveau de l'enregistrement lui-même. Et on est sorti du tutoriel, on est parti. Maintenant, ça rigole plus. Oui. Oui, il m'attaque. Normalement, le vendeur n'est pas censé me... Le vendeur n'est pas censé m'attaquer comme ça. Qu'est-ce que c'est? Bon. Vendeur monstre. Okay. Donc, pour se calmer un petit peu, je vais peut-être
effectuer de nouveau un ajustement sur la musique. Je vais bosser. Les musiques sont assez bonnes, donc ça vaut aussi de toute façon la peine de les laisser. On peut étalonner également la latence hein, pour ce jeu, c'est assez important et du coup c'est très utile si jamais vous avez des délais. Hop. Donc le lobby, l'endroit où on peut se lancer dans les zones, il y a différents personnages, outre celui par défaut pour lequel nous jouons, et ces personnages ont différentes mécaniques de gameplay, ils ne sont pas tous liés au rythme comme nous le sommes avec ce personnage là. C'est certainement pour plus tard. Pour l'instant nous n'avons que la première zone de débloquer. Et plusieurs des salles adjacentes servent... Oui. Hop, je peux me déplacer à la vitesse que je veux dans le lobby, ça c'est sympa. Pour l'instant, beaucoup des portes ici sont fermées. D'accord. C'est un reset, il semblerait. Le codex... Ah, donc ici, de mémoire, Histoire de Dragon. J'ai déjà vu en fait un peu de gameplay de ce jeu, mais je n'y ai jamais joué moi-même. Il me plaisait beaucoup. Donc ici, c'est des tutoriels pour essayer d'apprendre un petit peu comment se battre contre les ennemis les plus dangereux. En particulier le dragon, par exemple, ici. Je le ferai peut-être plus tard si les ennemis me posaient problème. Comme il le dit si bien au-dessus, il vend des améliorations permanentes, c'est-à-dire des objets supplémentaires ou des améliorations que l'on peut du coup trouver dans nos rubs subséquentes. Emplacement de cœur, multiplicateur de pièces, un coffre rouge supplémentaire en session. Je vais prendre un PV parce que ça sonne bien, faut dire ce qui est. Et Fastos qui fait la même, sauf que les objets qu'on achète chez lui apparaîtront dans des coffres. Et ben on est parti. Je crois qu'il est possible de creuser dans les murs. Hein. Et voilà, il nous attaque pas normalement le shopkeeper. Je sais pas pourquoi il avait décidé de nous attaquer précédemment, mais si on ne vole pas ou qu'on ne l'attaque pas. Là, comme on n'est pas loin de la boutique, on l'entend chanter d'ailleurs sur cette partie. Allez. Tu peux pas passer là? Non. Un diamant, ça c'est bon. Je vois ce qu'il vend un petit peu avec 36 pièces. Désormais, j'inspecte les. C'est là que vous voyez me force à faire un déplacement comme ça. C'est une dalle à sens unique. Pour l'instant on n'en voit qu'une ou deux, mais plus tard dans certaines salles ça pourrait être problématique. Et ça peut être une bonne idée. Il y a des personnages à débloquer. C'est encore fou comme musique. On va débloquer un nouveau personnage. Voilà, décidément. Cette musique qui est si bonne mais qui est si forte. C'est fou ça. Si je veux m'entendre parler en fait, et si vous voulez m'entendre parler, je suis vraiment obligé d'abaisser. Elle est excellente hein, cette bonne son. Bien dommage. Saleté de singe. Donc l'anneau réduit les prix des boutiques,
fait un peu peur tout ça. Je prends des coups bêtement. Ah oui, et quand la chanson se termine, on finit directement au niveau suivant. Avantage ou inconvénient. Ouh. Je prends le monocle. Et donc vous voyez, le rythme selon les chansons varie aussi. Hein. C'est loin d'être fixé à une seule chanson. Ah, et je voyais la clé d'or en plus. Je vais retourner au lobby du coup pour voir un petit peu le maître des bêtes. D'accord, donc lui, c'est lui qui nous fournit les salles d'entraînement contre les ennemis de chaque zone. C'est pas mal, je vais pas m'entraîner non plus beaucoup pour l'instant. Les bêtes, on les connaît pas encore. On va les découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Qu'est-ce que je peux acheter? Coffre rouge supplémentaire par session, ça semble bien. On est reparti. Alors du coup là j'ai la dague, hein. Je ne suis plus avec la... avec l'épée, c'est qui me gêne bien. J'essaie de garder le rythme un petit peu pour essayer de gagner les multiplicateurs de pièces, mais c'est pas encore à ma portée. Il va falloir un peu de temps avant de m'habituer et de prendre des réflexes. Hein. C'est un jeu qui demande beaucoup d'automatisme. Et tant qu'on ne les a pas... Torche, c'est cool. Un diamant, c'est chouette. On a trouvé le boss. Ah, je suis mort parce que je suis descendu. On joue avant les ennemis, donc là par exemple, je suis descendu sur l'emplacement où la slime bleue allait se mouvoir. Et elle s'est sur moi et je suis mort. Vraiment bêtement. C'est pour ça que c'est très important en fait de connaître les patterns des ennemis et de regarder quand est-ce qu'ils vont se déplacer. Tant que je peux acheter des choses temporairement avec mes diamants, je vais le faire. On n'est pas obligé de retourner au lobby tout le temps. Mais actuellement, j'ai des trucs qui ne coûtent pas beaucoup de diamants, donc je me dis autant profiter. Parce que je crois que si on redémarre immédiatement, les diamants sont perdus. Hein. C'est un peu comme en Rogue Legacy, on peut pas accumuler entre les runs. Et on va prendre la lance. Allez, on se concentre. Ça c'est une bombe, j'ai pas envie que ça m'explose à la gueule. J'avais anticipé que le squelette serait comme ça. Ah et là j'aurais dû voir qu'il allait se déplacer sur moi. Le jeu n'est pas simple, surtout quand on commence. Par un miracle, j'ai réussi à tuer le... Je suis mort. Par un miracle, j'ai réussi à tuer le boss. Le Minotaur. J'ai bien eu de la chance là-dessus. Hop, une fois de plus, même logique, on profite tant qu'il y a un truc. Et maintenant, je crois que tous les trucs à débloquer sont un minimum de diamants. Donc, je n'aurai pas à revenir à chaque fois.
squelette toujours au mauvais timing. Au plus gauche. Paire de cœurs, c'est bon à savoir. Ok, donc un conteneur de cœurs, un monocle. J'ai un peu de mal avec le rythme. Ok, donc le Minotaur s'est confirmé. Quand il charge, il faut s'écarter. J'aime beaucoup l'idée d'attaque longue. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'avais un bon multiplicateur de pièces. Évidemment. C'était pas glorieux cette salle, je dois avouer. On peut manquer la pulsation pour ça, mais c'est pas grave. D'aller acheter un objet. Ça m'a permis de voir par exemple qu'il y avait un diamant dans le mur ce moment-là. C'est pas mal. Droite. Ok. Alors c'est ça qui va être le plus dur aussi, c'est de se rappeler des combinaisons. J'ai une clé d'or. Je vais immédiatement pouvoir libérer le personnage concerné. Les raccourcis qui permettent entre autres de lancer par exemple la lance ou d'utiliser la boule de feu que j'ai trouvé, ça peut être une bonne idée. J'ai pas envie de donner des PV. Il y a des pièces là-dedans mais je ne sais pas comment la casser, peut-être avec une bombe. Pomme soigne, comme je m'y attendais. Et l'eau nous ralentit d'un coup. Hein. Vous avez bien vu, je suis allé dedans, il m'a fallu un tour en fait pour en sortir. La réduction des coups, ça me semble pas mal. Faire attention aux trappes parce que je crois que c'est juste des trous sans fond. J'aime beaucoup cet objet de lunettes, ils m'aident beaucoup en fait à gérer quoi faire. Donc on va retourner à la sortie. Une bonne combinaison. Alors sachez aussi qu'il est possible de jouer à ce jeu avec ses propres musiques. En timant leur rythme, il est possible de les ajouter à la playlist du jeu.
petits détails sympas. Mais la bande-son du jeu en elle-même est exceptionnelle, donc pour l'instant, je ne vois aucune raison de faire ça. Plus de facilité avec ce rythme-là, il est moins lent. Faut être un peu plus vif. Et ça passe tout seul une fois qu'on y est habitué. J'ai sous pour l'instant. Oui. Yeah, l'appel de titane qui cache les rochers. Là, le dragon il me rassure pas. Tenter la boule de feu. C'était une belle run, malgré tout. Donc la meilleure de ce que j'avais pu faire jusque-là. On va retourner rapidement au lobby parce que j'ai 6 diamants et j'ai déverrouillé une nouvelle salle. Ces objets apparaîtront dans les coffres. Ouh, et cette fois, ce sont des objets magiques. C'est excellent tout ça. Qu'est-ce que je peux prendre? On a un peu plus. Un coffre violet supplémentaire par section. Anneau de chance. Et un parchemin de richesse. Bien, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc pour ce jeu, je pense faire des vidéos un petit peu plus courtes, vu qu'elles sont assez intenses et qu'elles nécessitent pas mal de concentration. Si jamais vous voulez que je les fasse à 30 minutes plutôt qu'à 20, comme c'est mon habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et à mettre un pouce bleu si la nouvelle série vous plaît, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien, et ciao tout le monde !